Bonjour Thierry Grandier du service culture pour une page cinéma. Aujourd'hui avec le film qui fait polémique, évidemment, Chez nous, de Lucas Bellevaux. C'est un film, évidemment, à quelques jours, quelques semaines de la campagne présidentielle, n'est pas anodin. Bon, je raconte l'histoire d'abord avant de vous donner mon sentiment. Voilà, c'est en fait l'instrumentalisation d'une jeune femme dans le nord de la France. Elle s'appelle Pauline, elle est infirmière, elle vit seule. Avec son enfant, qu'elle élève. Voilà, c'est une infirmière, elle s'occupe aussi de son vieux père, qui est un ancien métallo communiste, un peu acariâtre et malade. Bon, tout le monde l'adore. Et l'idée va germer dans le cerveau de Philippe Berthier, qui est docteur, dans cette petite ville entre Lens et Lille, de faire de cette Pauline, que tout le monde adore, la tête de liste du parti qui s'appelle Le Bloc, mais qui, évidemment, fait penser énormément au Front National, d'autant que la personne qui est à la tête de ce mouvement, c'est une femme, elle s'appelle Agnès Dorgel dans le film, et elle ressemble quand même, avec sa perruque blonde, beaucoup à Marine Le Pen. Donc il va instrumentaliser, il va se servir de cette jeune fille que tout le monde aime. Alors au début, elle ne veut pas, puis bon, finalement elle écoute, et puis elle est séduite, finalement, elle tombe, bon, elle accepte. Elle accepte d'être tête de liste. Alors après, les choses se compliquent. Parce qu'elle tombe amoureuse d'un type qu'elle a connu au lycée avant et se révèle être, et là c'est un peu grossier quand même, là c'est là où le scénario pêche, militant clandestin, musclé, facho carrément, du Bloc. Bon. Alors, c'est là où ça ne va pas, quoi. C'est-à-dire que le film est beaucoup trop schématique, il est beaucoup trop simpliste. Et on empile un petit peu les méchants. Et Émilie Dequesne, qui joue le rôle de Pauline, elle est très bien, parce que dans ce rôle de marionnette manipulée, en revanche, les autres surjouent, quoi. André Dussolier, comme ça, très côteleux, c'est d'enrober la femme, et on le voit arriver à 10 km. Guillaume Gouy, qui joue le rôle de... de l'amoureux facho, en fait, mais clandestin. Pas du tout crédible. Et puis, Catherine Jacob, qui joue le rôle de Agnès Dorgel. Bon, c'est un clone de Marine Le Pen, mais c'est vraiment pathétique, quoi. Voilà. Donc, ce film m'a dérangé. J'aime beaucoup Lucas Bellevaux, hein, par ailleurs. Il a fait des très, très bons films engagés politiquement, etc. Mais là, il manque vraiment trop de finesse.